avons travaillé sur une pièce chorégraphique de Mourad Merzouki et Kader Atou qui s'appelle « Danser Casa ». Nous avons travaillé avec 200 enfants qui ont de 6 ans à 25 ans environ. L'objectif est de présenter ce spectacle le 9 et 10 juin à la Maison des Arts de Créteil. C'est trop bien. J'ai trouvé que c'était une chance inouïe et unique pour des élèves de pouvoir faire partie de ce projet-là avec des danseurs professionnels. Je trouve ça très enrichissant et très porteur. Et moi, en fait, je suis excitée tout autant que les élèves et j'ai vraiment hâte de voir ce spectacle abouti. On adore ! Je suis très heureuse de faire partie de ce projet incroyable. Et moi, quand je suis dans le plateau, je ressens du bonheur, de la joie, un peu tout. Au début ça me stresse, mais après c'est amusant, je suis dans le rythme, donc ça me fait plaisir à la fin quand on arrive dans les coulisses. Il y a du bonheur et il y a de la peur. Ça fait mal aux pieds aussi. Au début ils avaient très peur, mais là au fur et à mesure ils voient que c'est possible. Et ça va leur servir pour le reste de leur vie en fait. C'est la première fois que je fais quelque chose de aussi bien. C'est comme si on découvrait un nouveau monde. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de projet, c'est que ça crée vraiment du lien. Et c'est souvent très émouvant, quoi. Moi, quand je les vois tous danser comme ça, souvent j'ai ma petite larme, quoi. Ces projets sont très valorisants pour les enfants, en fait. Et même pour les enfants qui sont en difficulté scolaire, d'un jour à l'autre, ils se retrouvent sur la scène, applaudis par leurs camarades. Alors, c'est valorisant. Et c'est une ouverture au monde, en fait. T'es devant plein de gens, et ça fait bizarre. On dirait que t'es une star. Après avoir dansé dans la MAC de Créteil, les enfants ont également eu la chance de participer à Jour de Fête sur le parvis de l'Hôtel de Ville, entouré de milliers d'autres enfants. C'était juste génial, quoi. Les enfants étaient vraiment ravis, pleins de joie. Ils étaient complètement désinhibés. Ils s'éclataient, ils souriaient, ils sautaient de partout. Voilà, c'était juste extraordinaire.